Nous vous demandons d'accueillir celui qui nous vient de Lorraine. Il pèse 89 kilos. Le vice-président, David Moi, en fait, avant de faire du catch, j'ai fait de la boxe anglaise, de la boxe française. C'était des sports où j'excellais, j'étais bon. Seulement, il me manquait toujours quelque chose, quoi. Et ce quelque chose-là, je l'ai trouvé un soir en 2001 à Jeuf. Il y avait du catch, donc c'est Wassim Sarr. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, quoi, il faudra que c'est ce que j'ai envie de devenir, quoi, catcheur. C'est le catch, c'est bien, parce que ça nous permet de vraiment être celui qu'on est vraiment dans le ring, parce que les autres sports, par exemple le karaté, le judo ou la boxe, tout le monde fait quasiment la même chose, alors que le catch, on peut être vraiment qui on veut et qui on est vraiment au profond de nous-mêmes. Il faut avoir une bonne condition physique, donc on travaille énormément au niveau du souffle, énormément au niveau musculaire, c'est-à-dire beaucoup d'heures de musculation, beaucoup d'heures en salle, développé couché, squat, biceps, triceps, c'est vraiment important. Et bien sûr, il faut avoir la technique, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le corps d'un athlète ou d'un bodybuilder, il faut aussi être vachement technique, être rapide et souple. Le sens du catch, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, quand moi j'étais gamin, c'était nos super héros à nous, c'était Superman, Batman, Green Lantern, Flash. Aujourd'hui, c'est David Michel, ça va être Tom LaRuffa, Jimmy Gavroche, ou alors même les Américains, Undertaker, Triple H et autres. Donc c'est vrai qu'on est comparé à des super-héros, quoi. Donc c'est ce qui fait vraiment amener à ce que les jeunes aiment le catch et les catcheurs. Donc c'est vrai que là, le catch prend une grosse partie de notre vie, quoi. Et on n'a plus vraiment le temps pour la vie privée. Maintenant, c'est un choix. J'ai des buts dans ma vie, c'est de devenir le meilleur catcheur d'Europe, du monde. Donc je m'y mets à 200%.